Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle auto-publié que j'ai reçu par sa créatrice pour pouvoir le partager avec vous. Et je suis trop contente parce que j'ai déjà euh, son tout premier oracle qu'elle avait auto-publié, que je vous avais déjà présenté, qui a été. Euh euh, republié en mass market. Il s'agit de l'oracle euh, du réveil, voilà, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Et elle m'a envoyé son dernier bébé, l'oracle Home Amour, pour pouvoir le partager avec vous. Donc, comme le premier, il arrive dans un, une, emballé dans une, une étoffe de tissu. C'est super joli. On peut l'utiliser du coup comme tapis de tirage ou pour garder euh, les cartes emballées dedans. Je trouve ça super original. Et euh, vraiment super joli, voilà. J'ai reçu une carte de l'Oracle Réveil en plus, trop joli. Le calibri, j'aime bien. Elle m'a mis un petit mot qui m'a beaucoup touché aussi, voilà. Donc c'est un jeu qui a été fait par la Réveilleuse. Et euh, je vais vous plonger dans le noir parce que je vais vous montrer du coup le PDF sur ma tablette, ce sera plus facile, voilà. Donc j'éteins la lumière. Sinon, vous allez avoir le reflet avec la tablette et ça ne va pas être agréable. Voilà, donc l'oracle Amour. Euh, J'ai dit homme amour, mais c'est Amour. Je vais arriver à le retenir. Oui, ça s'écrit comme ça, c'est très original. L'amour sous toutes ses formes, créé et dessiné par la réveilleuse. Alors, je suis très heureuse. Je vais vous lire. Hein. Du coup, de vous... Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette troisième création et vous parler cette fois d'amour. L'amour, sous toutes ses formes et dans tous les domaines de votre vie, qu'il s'agisse de liens familiaux, professionnels, amicaux, amoureux ou encore spirituels, nous interagissons tous tout au long de notre existence avec des hommes et des femmes. Comprendre l'autre est une quête permanente qui nous donne du fil à retordre. Les croyances et les blessures de la vie nous font un temps oublier que nous sommes des êtres de lumière capables de bien plus que nos yeux peuvent nous faire croire, ce qui nous amène bien souvent à projeter nos ombres, nos propres ombres chez l'autre, ce qui signifie que notre interprétation n'est pas toujours juste, ce qui peut entraîner l'incompréhension et l'équiproquo. L'oracle Amour nous permet découvrir en soi et en l'autre un monde de richesses insoupçonnées c'est une fois que la magie que la magie peut s'opérer avec cet oracle je vous propose d'envisager les relations sous un nouveau jour les cartes sont composées de mots qui vous donneront un aperçu de l'ambiance intérieure de la personne à laquelle vous pensez les couleurs vous aideront également à interpréter vos tirages alors elle a toujours été attirée par le langage des oiseaux une autre manière d'appréhender les mots et les mots le mot Âme-our est traduit par âme-lumière ou souffle divin en hébreu. J'ai toujours aimé cette manière d'écrire âme-our et l'idée de se relier à sa propre lumière. Cette âme qui vit en nous, que nous sommes en réalité, est une perpétuelle reliance avec la source, notre propre source divine. Il n'y a aucune connotation religieuse, juste l'envie de parler d'amour et, et de ce que cela signifie pour chacun d'entre nous. L'idée que ceux qui nous entourent nous apportent une lumière sur notre chemin de vie me plaît beaucoup, car je crois que nous pouvons tous nous inspirer les uns des autres. Ou que nous soyons face à un être blessé ou replié sur lui-même, il nous renvoie à nos propres états d'âme et nos blessures. L'idée avec ce jeu est de voir au moins, ou au moins d'apercevoir la lumière, même lorsqu'elle paraît invisible pour les yeux. Elle a eu envie de nous proposer cette fois un format de carte plus petit et très agréable et facile à utiliser pour toutes les mains. Je connais des petites mains qui vont être heureuses. J'emballe toujours mes oracles auto-édités avec du tissu et un ruban tel un cadeau qu'on ouvrirait à chaque fois. C'est devenu une marque de fabrique qui amène un caractère original et nous rapproche du rituel. Chaque personne empapillote son oracle à sa façon et j'aime bien l'idée que vous y mettiez votre patte car n'oubliez pas, vous êtes l'oracle. Voilà, le ruban, je sais plus, il est quelque part dans ma boîte derrière. Voilà. Mais c'est vrai qu'il était empaqueté avec un ruban. C'est exactement ce que je vous disais que c'était original. Alors, ici, prendre contact avec l'oracle, choix du PDF explicatif. Elle a voulu éviter le livret cette fois pour deux raisons. La première, que cela me permet de proposer l'oracle à un prix plus avantageux pour vous. Et la seconde, d'utiliser votre guidance intuitive le plus possible. Oui, c'est vrai qu'une fois qu'il y a un livre dans les oracles, ça fait tout de suite monter les prix. Hein. Alors, les bonnes questions à se poser lors du tirage, utiliser, battre les cartes, des exemples de tirage, voilà, ça c'est toujours bien, les cartes en quelques mots, et alors pour chaque carte, on a euh, ben, son nom, la personnalité et blocage ou en cours d'évolution. Voilà, on regardera, on en tirera une à la fin et euh, je vous montrerai du coup. Voilà, bon, je vais mettre la tablette derrière moi, je vais rallumer la lumière, sinon vous n'allez rien voir aux cartes. Voilà. Et on éteindra de nouveau à la fin euh, pour aller voir du coup euh, le message. Alors, il arrive avec une petite carte de présentation. Voilà. Euh, bienvenue dans mon univers autant créatif que thérapeutique. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous lire. Le dos est comme ceci. On retrouve euh, l'originalité du premier avec des mots glissés comme ça, euh, des petites phrases un peu partout que je trouvais très très chouette on a des exemples enfin des propositions plutôt de tirage ici dans les cartes le fameux QR code pour télécharger le PDF et on a la première carte ici très jolie j'adore la petite étoile avec âme nuit je cherche mon chemin ici à regardez loading euh, ici les marqué qui a éteint <laughs> c'est trop mignon la patience il y a tout des petits mots comme ça disséminés dans les cartes, regardez dans les oreilles du chien aussi et c'est ça qui fait l'originalité. Âme, loup, il est trop beau, expérience, voyageur, enseignant. Et la qualité est chouette franchement. Âme, euh, réparation. J'ai besoin de temps pour guérir, solitude, intériorisation. C'est pas un mot facile à dire. Hein. Comme vous voyez, ils ont un fini glossy de très bonne qualité. Je vous montrerai la taille après, celle-là est trop belle. L'âme grotte avec cette petite souris. Ma vie, je me suis repliée, soit un choc affectif. Je manque de confiance. Occupée. C'est mignon. âme blessée. Là, on voit les peurs. Mon cœur, choc, rancœur. Une partie de moi, de moi me quitte. Comment tu donnes douceur, respecte-toi, patience, regarde-toi. J'adore, moi, l'idée d'aller chercher les mots comme ça. Âme tempête, rapidité, tout se mélange, les épreuves, le déclic. Je vous en lis que quelques-uns. Celle-là, elle est belle aussi. Hein. Âme cache-cache. Je prends le temps de comprendre, je me protège, j'affronte mes peurs. Observation, discrétion, retrait, elle est trop jolie. Âme lune. Là, on a réceptivité, les signes, les émotions, la libération, euh, le féminin, le soleil. Du coup, on a la lune et le soleil. Avec euh, le mouvement, l'action, la fougue, je bouillonne, je m'emballe. Ah, oh, elle est belle aussi, l'âme ascension. Avec les pyramides, élévation, j'ai traversé les ombres qui guérissent pour arriver jusqu'à moi. Oh scarabée, âme scarabée, elle est belle aussi. Le jour se lève, l'éveil. Je trace ma route, nouveau cycle, résilience. Je porte ma propre ma propre résurrection. Oui, sans doute. Trop joli. Âme Cupidon. Là, on a événement, désir. Je vole vers toi, évolution, enfant intérieur. Âme rencontre, magie, espoir, protection, émotion, pudeur. Timidité, contact, l'âme-enfant, avec le début, la famille, le jeu, en cours, innocence, rire. Oh, elle est jolie celle-là, l'âme-fusion. Là, on a union des âmes, je fonds pour toi, c'est mignon, attachement fort. Oh, elle est jolie, l'âme-doudou. Transition, angoisse de la séparation, consolation généreux. Douceur, câlin, ça Nora, qui va faire du bien. Hein? Oh, il est beau le colibri, âme colibri. La joie, le courage, je me délègue du nectar, de la vie, positif. Je fais ma part, c'est très joli. L'âme illusion, euh, mes projections, miroirs, déformement, je t'aide à guérir. Apprentissage, oh, l'âme rage. Si tu me mords, je te mords. Disons plutôt que je fais genre, je te mords, mais je montre les dents pour t'éloigner de moi. Je porte un masque, ne te laisse pas impressionner par ma peur. La colère, communication est trop belle celle-là. Âme thérapeute, disponible, guérison, projection, les liens, les traumas. Tu te guéris, je prends soin. Oh, elle est belle. L'âme coccinelle. Lâcher prise, construction, laisser partir, fait un vœu, amitié, solidarité. L'âme, montagne avec la vision, eureka, lenteur, motivée. Euh, je trace ma route, itinéraire, tranquillou. L'âme, crisis avec choix, guérison, les doutes, le système d'une fin, décision, réflexion âme libération avec délivrance mes batailles sortie de prison oui sortie de prison la lutte euh, je me détache indisponible âme or mon cœur est restauré un nouveau jour se lève on ne peut plus me briser embellissement très joli aussi oh le caducée âme kundalini avec l'activation intensité je me délivre libération des blocages. Am alam semestra et là il est écrit lorsque vous avez prévu autre chose ah non ça commence ici la vie c'est ce qui vous arrive lorsque vous avez prévu autre chose voilà super joli l'âme divin masculin je me protège le respect le guerrier cœur sensible même là, dans, sur son chapeau, il y a encore guérison, bataille. Forcément, on a l'âme divine féminine. Je fais ce qui est juste pour mon souffle de vie. Je décide par moi-même. Euh, affirmation, positionnement, unité. Âme impossible. Regardez comme c'est écrit. C'est original. Quand même, et si j'essayais d'une déception, je sors, c'est compliqué. Vie trop différente, retard, obstacle, c'est impossible. Âme de la foi, avec la saisir la chance, coup de pouce, accélération, la chance, forcément, le destin. Âme famille, avec force guérie, le soutien, euh, les croyances transgénérationnelles. Âme sacrée. Comme c'est écrit, c'est super original. Euh, guérison, co-création, échange, partenaire, projet. L'équilibre, pardon. Main dans la main, demande des efforts. Âme, je te vois. Je ne peux plus me cacher. Mort de l'ego. Révélation, évidence, vulnérabilité. L'âme agit avec des surprises, le réveil, la magie, les croyances, l'alchimie. L'âme est aux commandes. Âme, souffle de vie, tout est possible, new life, euh, équi masculin, libre, féminin, je suis en vie, power, euh, système à jour. Âme, le grand saut, bonjour la vie, j'y crois, nouveauté, confiance, je suis debout, épreuve, effondrement. Et l'amour, c'est l'amour tout court, avec intimité, je te vois, je peux être moi-même. Oh, c'est joli. Il y a 38 cartes, du coup. Je vais prendre une carte de tarot avant que j'oublie. Pour vous montrer la taille. Voilà. C'est carte poker, je crois, carte à jouer. Voilà. Donc c'est vrai qu'elles sont en petit format et elles tiennent bien en main, du coup. Voilà. Donc, on va les mélanger. Je vais en tirer une et comme ça, on éteindra les lumières. Et je vous lirai du coup le message. Elles se mélangent très très bien. Bon, avec le fini glossy, on se doutait bien que... Ça allait bien se mélanger. Oh, ben voilà, elle a voulu venir. Alors, la magie. Avec l'âme l'âme est au, au commande, les croyances, la magie, l'alchimie, euh, émerveillement, surprise, symbiose, intensité, vœux exaucés. Voilà, donc ça c'est la 35. Bon, je vais éteindre. J'allais éteindre la... J'allais mettre pause à la caméra. Je suis vraiment des fois d'un distrait. Voilà, c'est la tablette que j'ai besoin. Et on va aller voir du coup. Ah, vous avez vu mon fond d'écran du coup. Voilà. Alors, on va chercher la 35. Voilà, ici. Alors, je vais vous mettre un peu plus près. Ou je vais peut-être zoomer. Ce sera peut-être plus malin. Ça m'évitera de la soulever. Voilà, comme ça, vous savez lire avec moi. Personnalité, une âme épanouie s'émerveille de tout, en symbiose, connectée avec tout, voit très clairement et relie au bonheur. Elle s'est métamorphosée dans la meilleure version d'elle-même. Vos voeux s'exaucent, elle a envie d'agir, de tenter des choses, d'aller de l'avant avec confiance et courage. Rien ne peut arrêter la magie. Quelque chose qui avait l'air figé se transforme. L'âme est aux commandes. Pour les blocages ou en cours d'évolution, ne pas être lié à son âme, son enfant intérieur, sa source divine. Appelez-la comme vous voulez, laissez un mental saboteur nous commander et la pire des choses qui puisse arriver. Cette âme est faite pour être liée à sa guidance intuitive, alors si elle, a, si elle a un temps perdu, elle devrait retourner son chemin. Voilà, je ne crois pas qu'il y avait encore des choses après, non, voilà. Voilà, voilà, euh, moi perso, euh, je vais juste... Euh... Voilà, éteindre ça, la tablette, rallumer la lumière. Voilà. Moi, perso, je le trouve vraiment chouette. J'aime bien le petit format. Euh, J'aime beaucoup les illustrations aussi. Je les trouve touchantes. Euh, C'est un oracle... J'ai mélangé, vous le croyez, les cartes de présentation avec. C'est un oracle qui va faire euh, bah, du bien. Euh, du bien au cœur, qui va aider à, à se sentir mieux. Bon, évidemment, j'adore l'originalité euh, de l'avoir mis, euh, de pouvoir l'emballer dans un... Un carré de tissu comme ça, euh, voilà. Je vais garder tout ça précieusement avec euh, bah, le petit mot qu'elle m'avait écrit aussi. Voilà. Bah, du coup, encore un grand merci à toi de me l'avoir envoyé pour pouvoir euh, bah, le partager. Hein. Euh, je l'aime vraiment beaucoup. Je vous mets dans la barre de description le lien vers son site si vous voulez vous le procurer. Et bah, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aimez euh, l'originalité euh, bah, des petits mots comme ça disséminés un peu partout, si le message vous parle, si vous aimez les illustrations, si vous avez l'oracle réveil aussi, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude et pour le reste je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos bisous bisous